Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire un papouille contrôle mon slime. Tout simplement, mon chien contrôle mon slime. On peut plus vraiment dire qu'il est la taille d'un chiot. Donc regardez comme il a grandi et cette belle bouille. Un petit peu peur. Mais oui, t'es tout beau. Donc j'ai posé une petite couverture pour que ce soit plus agréable pour lui. Je pense que ça lui plaît mieux. Petit peu peur. Bah oui. Est-ce que tu te sens prêt à choisir les ingrédients de mon slime? Dis. Oui? Donc c'est parti. Donc là, il va devoir me faire le choix entre ces trois bouteilles de colle. Donc il y a du marron, du bleu et du transparent tout simplement. Et normalement, c'est celle qu'il prendra dans sa gueule tout simplement, qu'il m'apportera parce que je lui ai appris à m'apporter des objets. Après, ça ne le fait pas à tous les coups, c'est vraiment quand il veut et je veux pas le forcer. Donc s'il ne veut pas, ce sera tout simplement celle qu'il aura touchée en premier. Mais s'il m'en apporte une, ben ce sera celle-ci. Donc c'est parti, allez papouille, on a confiance en toi. Donne la bouteille. Donne. Donne la bouteille. C'est bien mon pépère. Donc il m'a apporté la bleue. C'est bien mon petit loup. Mais oui, t'es un bon chien. Donc ce sera de la colle bleue pour cette fois-ci. Donc là, ça va être le choix des paillettes. Et il y a trois boîtes. Donc il y a du violet rose. Ici, il y a un peu toutes sortes de couleurs. Et ici, c'est plus du doré argenté. Il est pressé de choisir, je crois. Vas-y, apporte une boîte. Est-ce qu'il va me la porter? Tu donnes? Tu donnes mon papa? Donne. C'est bien. Et il a choisi les paillettes violettes et roses. C'est bien mon bébé. T'es sûr de ton choix, à ce que je vois. Il veut me les reprendre, mais c'est les miennes. Coucou. C'est bien mon papa. Donc bien sûr, à chaque fois, il a sa petite récompense. Je trouve ça normal qu'il ait une petite récompense quand il fait bien les choses, mon petit bébé. Donc là, il va choisir l'accompagnement. À peine dit, il a déjà choisi. J'ai même pas eu le temps de vous montrer. Donc en fait, il a les masques peel-off couleur or dans la gueule. Mais il faut déjà qu'il me la ramène. Tu donnes? C'est bien, mon pépère. Et voilà. C'est bien, mon pépère. Mais oui, mais maintenant c'est à moi. C'est moi qui fais le slime, c'est pas toi. Non, non, non. Donc voilà. En fait, il y avait de la mousse à raser, de la crème pour les mains et j'avais mis une bouteille vide. Tout simplement la bouteille vide. J'ai même pas eu le temps de vous expliquer parce qu'il l'a récupéré direct, le masque peel-off. Mais la bouteille vide servait s'il ne voulait pas mettre d'accompagnement dans le slime, tout simplement. Là, il est parti avec la mousse à raser. Je lui ai enlevé. Donc c'est parti. Je vais aller poser l'ingrédient. Ouais, mais non, on avait dit un seul papouille. On m'a ramené la mousse à raser, j'ai trop mignon. Non, non, non. T'as choisi en premier le masque peel-off. Tu peux peur. Non, mais là, il veut mettre tous les ingrédients dans son slime, regardez. Ah non, ça en fait. Si, peut-être. Bah si, il m'a apporté aussi la crème pour les mains. Je vous mens pas, il m'apporte tout, hein. Allez, on va passer au dernier ingrédient, ce sera la peinture. Donc là, nous allons passer au dernier ingrédient et ce sera la peinture. Donc il y a du rose, du doré, argenté, vert et bronze. Je ne sais pas du tout laquelle il va choisir. Tu donnes? Tu donnes une bouteille? Donne. Faut déjà qu'il me l'apporte, il a pris le rose. Donne. Papouille? Là, il n'a pas l'air décidé. Hein. Bon, bah, de toute façon, je pense que ça va être le rose. On avait dit le premier qui touche. Si vraiment il n'est pas décidé à apporter. Parce que j'ai vraiment pas envie qu'il me mange la bouteille. Donc là, il m'avait bien pris la peinture rose. Bah oui, Pépère. Je te l'ai repris si tu voulais pas me la donner. Dis si tu l'ouvres, après tu vas être malade si tu manges ça. Dis tout beau, mon Pépère. Il regarde la bouteille. Il la suit des yeux.
C'est ma bouteille. Là, je vais aller préparer ton slime. On va voir à quoi il ressemble. Il y a plein de couleurs différentes. Il y a du bleu, du rose et il y a des paillettes. Ah, les paillettes sont roses aussi. Ah, il y a un masque pilaf doré aussi. T'es sûr de ton choix? Top là. C'est bien, mon pépère. Mon petit bébé. Tiens. Ta petite friandise. Allez, c'est parti, on va faire le slime. Donc, au niveau des ingrédients, on a de la colle bleue, du masque peel-off gold, de la peinture rose, des paillettes roses et violettes. Bien sûr, je vais utiliser les fameuses pipettes pour le former. En fait, je ne lui ai pas proposé de choisir pipette ou lessive, tout simplement parce que j'ai plus du tout assez de lessive. Donc, c'est parti. Ça me fait vraiment bizarre de recommencer avec ces bols-là de chez Action. Hop, voilà, je pense qu'on est vraiment pas mal. En plus, elle est un petit peu pailletée. Je ne sais pas si ça va continuer de se voir, les paillettes avec le masque peel-off et la peinture. D'ailleurs, je vais ajouter le masque peel-off tout de suite. Ce masque peel-off là, je vous le recommande, mais vraiment, pour faire du slime, il est super. C'est mieux qu'un masque peel-off noir, je trouve. Car il durcit beaucoup moins vite. Bon, il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur. Il faut mettre plusieurs sachets quand on utilise que ça pour faire un slime, à moins que vous voulez un mini slime. Une fois que c'est fait, j'ajoute de la peinture rose. À peu près la même quantité que le masque, on va pas tricher, il faut que ce soit les mêmes quantités à peu près. Donc voilà. Et il me reste encore les paillettes à ajouter et ensuite je mélangerai. Et je vais venir mettre un petit peu de tout, comme il a choisi celui-ci. Celui-ci et celui-ci se ressemblent beaucoup. Il me reste une couleur. Voilà, j'ai mis un petit peu de tout. Maintenant, on va voir à quoi ça ressemble une fois mélangé. Forcément, il va devenir rose. Là, c'est dommage parce que la colle bleue était super jolie. Après, le rose est très très beau aussi. Je pense que grâce au masque, il a des petits reflets super sympas. Regardez ça. Déjà, la peinture en elle-même est super jolie. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le site de Cléopâtre. Vous avez un lien en barre d'infos. Et vous avez un code promo Elodie Créa qui vous donnera à 10%. Je dis de temps en temps dans mes vidéos. Surtout pour les nouvelles personnes. Et là, je vais venir former mon slime. Mais je pense qu'il va être joli quand même. Je pense que là, je l'ai assez mélangé. J'espère qu'il ne va pas trop coller. Il colle encore un petit peu à la paroi du bol. Je le trouve plutôt joli quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que Papouille a choisi les bons ingrédients. Ça rend super bien.
Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un hashtag papouille pour que je sache à peu près ceux qui restent bien jusqu'à la fin. Ça me ferait super plaisir de voir des hashtags pour mon petit pépère. J'adore. Il s'étire super bien, je sais pas ce qui fait cet effet ça, cet effet-là, cet effet ça. Je ne sais pas du tout, peut-être le masque peel-off. Donc voilà, j'espère que notre vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis! Non mais regardez comment il dort. Oh oui, pépère. Ça te fait faire mal à dormir comme ça? Bah ouais.